Assalamu alaikum. Donc, c'est une assemblée, une rencontre plus ou moins de tous les clubs qui sont affiliés à la Fédération Royale Marocaine de Motonautique. C'est une bonne initiative. C'est un rassemblement pour voir un peu et débattre un peu toutes les choses pour 2023. Parce que franchement, ça fait longtemps que les pilotes, il n'y avait pas de compétition. Donc je dirais même les pilotes, ils avaient soif d'avoir des compétitions. Surtout maintenant, il fait un peu froid, mais prochainement, il y aura un programme qui va sortir suite à la discussion du président. Cette année, il y aura beaucoup de compétitions, il y aura beaucoup de portes ouvertes. Il y aura même de nouveautés par rapport à la parole du président, comme quoi il y aura un partenariat avec la Fédération française pour avoir des personnes qui peuvent venir au Maroc pour faire des formations pour les juges. Et c'est bien, je pense que c'est une bonne initiation pour essayer de promouvoir ce sport-là au Maroc et d'avoir des champions comme ce qu'on a l'habitude d'avoir au Maroc. Voilà. Tu sais bien que nous avons deux mers. Effectivement, vous savez très bien que le jet ski, il faut quand même que ce soit un plan d'eau qui soit pas beaucoup au niveau des vagues. Il faut que ce soit un plan d'eau qui puisse naviguer les pilotes, parce que c'est une discipline de jet ski qui fait qu'on puisse avoir un circuit fermé. Et voilà, donc s'il y a beaucoup de vagues, on ne peut pas naviguer, on ne peut pas faire une course. Voilà.